sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. The grass should've looked greener. I'd be a true believer in disguise. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer de fermer le camion. Voilà, donc il me reste à souder une barre ici, une barre là-bas, et j'ai regardé, en fait j'en ai encore 5, donc je vais en souder après une comme ça et une comme ça. Et peut-être que j'en remettrai une en travers, voilà, pour faire un truc assez costaud. Eh bien dis donc, toutes les journées se ressemblent en ce moment, hein. Je me lève, je sors et il pleut. 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 Franchement, il y en a marre. Hein. Vivement le beau temps, qu'on puisse travailler en t-shirt et en tongs, tiens. Allez hop, c'est parti, on se met au taf. Je vais aller tout découper et puis on soude tout ça tout à l'heure. Et voilà, et j'attends avec impatience la livraison du bois qui devrait peut-être arriver, j'espère, aujourd'hui ou demain, quoi. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça, ou ça vous arrive des fois? Rassurez-moi, dites-moi que ça vous arrive. Regardez, je viens d'aller couper mes deux barres, donc j'avais mesuré avant, hein, bien sûr. Et là, regardez. Normalement, ça doit arriver de là à là. Voilà. J'ai encore bien pris ma cote, là, ouais. Alors, je suis fier de moi, hein. Là, je suis bien réveillé. Je vais aller redécouper ça. Hein. Putain, c'est un truc de dingue, ça. Moi, je prends une cote, je m'en vais dans le garage. Et ça, c'est tout le temps. Je prends une cote, je vais pour le découper. Et j'ai déjà oublié ma cote. Ouais. Mémoire tampon, il n'y a que dalle. Oh, Jérémy, t'es pas réveillé ce matin. T'es pas réveillé. Je les coupe à la bonne dimension. Cette fois-ci. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il manque un millimètre. Ah là, ça va, tiens. Ouais, celui-là, il y va. Ok. Ah, celui-là, je me suis pas gouré. Celui-là, il y va pas. Et en plus, comme un con, faut le dire. Hein. Il va pas non plus. Ah si, il y va. Et en plus, vous savez, j'ai fait un, comment on dit, j'ai un petit peu meulé ici, pour que ça passe pour ma, sur ma soudure. Sauf qu'ici, je le meule du bon côté. Vous voyez? Et là, je le meule de l'autre côté, le truc qui sert à rien. Ah là 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 là. Bon, il va falloir vraiment que je me réveille. Moi, je vais prendre un chocolat ou un truc comme ça, mais là, ça va pas ce matin. Et bien voilà, le cadre est quasiment fini. Un chouchou, ça te plaît? Et voilà, bah déjà, ces renforts-là, c'est largement suffisant. Vous voyez, c'est du costaud. On pourrait presque faire de la pole dance. Ouais, ça marche bien. Salut, bébé. Faut que j'arrête de faire mes conneries, moi. Bon, allez. C'est nickel, il reste plus qu'à mettre une couche d'anti-rouille. Et puis après, ça sera parti, quoi. Et puis souder les deux là. Du coup, eh oui, j'ai oublié de les souder parce que j'ai peint la face que je pourrais pas peindre. Normal, logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis au moins, ça te permet de t'accrocher, chouchou, t'as vu? Tu veux faire de la pole dance? Hein? Vas-y, viens. Non, ça marche trop bien. Yeah! Qui c'est qui veut faire de la pole dance? Oh! Tu veux faire de la pole dance? Hein? Tu veux faire de la pole dance ou pas? Est-ce que tu veux faire de la pole dance? Et ben voilà, c'est du costaud. Comme ça qu'on teste. Allez, c'est parti de pâture.
vache, la buse, elle est trop grosse. Je sais pas si on peut changer ça. Ça sort beaucoup trop de peinture, même au minimum. Ça sort beaucoup, beaucoup trop de peinture. En tout cas, ça couvre, hein. Oh là 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 là. Ah, c'est une peinture anti-rouille. Et j'ai rajouté du durcisseur dedans pour voir. Ah ouais, d'accord. Putain, ça met une sacrée couche, hein. Ça, par contre, c'est pas mal. Allez, je me dépêche, je vais nettoyer tout ça. Parce que sinon, ça va être le bazar. Bon, et bien voilà, c'est fini. Bon, le pistolet, il balance beaucoup trop de peinture. Vous voyez ? Bon, au moins, on sait que c'est, au moins, on sait que c'est recouvert. Hein. Ah ouais, non, non, il est trop puissant. Il doit être pas être fait pour ça. Ou alors, j'ai pas la bonne buse. Pourtant, j'étais sur le plus petit, la plus petite buse, mais c'est quand même trop gros. Enfin bref, c'est pas grave, c'est fait. Donc la peinture est nickel, en train de sécher. Avec le petit durcisseur, regardez, hop, au toucher, c'est déjà bon. Vous voyez ce que ça donne de l'extérieur. Voilà. Comme ça, demain, donc les planches, elles arrivent demain, c'est bon. Les planches, elles arrivent demain après-midi. Demain matin, je commence à préparer tout ça. Là, je vais mettre un joint PU. Là, il y a des jours. Là, ça va être un gros joint, mais c'est pas grave. Je vais mettre un gros joint PU tout le tour, en fait. Comme ça, même si au cas où, il y a de l'eau qui va rentrer derrière la planche, elle sera bloquée là et pourra pas rentrer dans le camion. Voilà. Et je regarde tous vos commentaires, là, pour les porte-motos. Et j'ai reçu un lien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien. Merci à toi, d'ailleurs. Avec un porte-moto qui est pris exactement sur la jusqu'en haut et pareil de l'autre côté. Et puis ça descend par l'intermédiaire d'un treuil et ça, ça me plaît vraiment bien. C'est ça que j'avais vu en fait au SVA. Il y a des gens très gentils qui étaient au SVA en Auvergne là avec un man et j'ai vu comment c'était fait. Ça m'avait paru super simple. C'était tout en inox. Et voilà, après j'ai vu que c'était galère à trouver en inox. Je sais pas, ça doit être des choses qu'ils arrivent à faire sur mesure et nous on n'a pas leur matériel. Donc je sais pas, mais là la vidéo que j'ai vue, c'est une très bonne idée. Ça pourrait me permettre de mettre des U ici et un U là-bas, inversé et boulonné sur tout le camion. Comme ça, ça peut pas tomber. Et le rail, vu que le U il est inversé, il peut pas non plus tomber. Avec, il y avait deux roulettes en haut, j'avais deux roulettes à droite et deux roulettes à gauche, ce qui fait que ça évite que la ferraille soit contre-ferraille. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au pire, je peux mettre des patins en téflon. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, ouais. Je commence à visualiser là, dans ma tête, et je pense que ça va être pas mal. Après, lui, la vidéo que j'ai vue, il avait un treuil qui était carrément là-haut. Moi, comme je vais mettre un treuil de 6 tonnes en bas, et ça serait bien ici de mettre une poulie que je puisse enlever. Donc ça serait bien ici de mettre une poulie, et une poulie, je sais pas comment ça s'appelle, avec un seul axe, vous savez, que je puisse dégager le câble si jamais j'ai envie de me tirer. Ce qui fait qu'en fait, mon treuil, il est déroulé. Hop, il monte sur une poulie là-haut et il vient descendre et remonter le porte-moto. Et si jamais on va faire du off-road ou quoi, on n'a pas besoin de prendre la moto. Donc dans ce cas-là, je déboîte le câble de là-haut, le câble d'en bas et je renroule mon treuil. Et comme ça, si on se fout dans la merde, eh ben, on peut se tirer quand même avec le treuil. Enfin voilà, ça me fait servir mon treuil pour deux utilités, ça c'est bien. Plutôt que d'avoir un treuil là-haut, un treuil en bas, on peut faire que ça, avoir des treuils quoi. Voilà, ouais, regardez pas les couleurs dégueulasses. Ouais, j'avoue. Mais là, franchement, le pistolet, il relâche trop de peinture. Bon, après, c'est pas grave, c'est une couche anti-rouille. Quand ça sera sec, je viendrai mettre un petit coup de cutter, un petit coup de ponçage et il y aura la peinture définitive. Donc là, c'est pas bien grave. Voilà. Donc ouais. Ça me plaît, donc je pense que là on va finir tout ça et dans une semaine et demie, deux semaines, je retourne en Maine-et-Loire avec le camion quelques jours et le porte-moto, il faudra qu'il soit fini. Parce que j'ai fait exprès de laisser ça ouvert, vous voyez, ça n'a pas été isolé. Si jamais j'ai des renforts à mettre au plafond, sur les côtés, je sais que je peux le faire. Donc là, c'est sûr et certain que courant début avril, le porte-moto il sera fini et il n'y aura plus qu'à lui mettre un treuil, tout ça. Quoi. Je vais d'ailleurs le commander, je crois. Voilà, allez, bah dans ce cas-là, on se retrouve demain pour la suite et livraison du bois, tout ça, encore une grosse journée. À tout à l'heure. Oh, salut à tous. Comme ça fait du bien, regardez, fait du soleil. Oh là 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 là, les petits oiseaux qui chantent, c'est trop 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 agréable. Ils sont au taquet, ils sont super contents, ils sont en train de faire la fête et tout. Ouais, trop bien, du soleil, c'est génial et tout. Apparemment, ils annoncent quelques jours de temps pas trop mal. Après, il y aura encore un peu de crotte. Et dans une semaine et demie, le beau temps, il devrait arriver. Franchement, ça serait bien. Ce matin, je vais chercher des tasseaux pour le plancher. Parce qu'il y a le plancher qui arrive cet après-midi, donc je suis super content. En plus, il y a soleil et tout, là, je suis en forme.
Je prends des tasseaux, au lieu de mettre des 40 par 27, comme on avait sur les murs, et de les doubler, je vais prendre des 60 par 40. Ça sera plus costaud pour le plancher. Voilà, ensuite, il faudra venir tous les aplanir, comme on dit, enfin, faudra les mettre de niveau, parce qu'il y a des endroits où le bois, il a été squinté, avec le... Avec ceux qui avaient le camion avant, normal, à force qu'ils faisaient des passages, tout ça, au mieux, ça a été un petit peu esquinté. Donc là, il faudra bien que je mette de niveau les tasseaux et que je comble avec des petites cales. Et puis après, je mets tout de la colle PU pour amortir et que le plancher, il arrive par-dessus, que ce soit bien plat partout. Voilà. Donc là, je file au magasin chercher les tasseaux. Je vide la remorque parce qu'elle est pleine de bois, tout ça. Et je prépare aussi la remorque parce que tout ce qu'ils vont nous ramener, on va le mettre sur la remorque de Jean-Philippe et on rentrera ça dans le garage après. Voilà, il y a pas mal de bois, vous allez voir, j'ai commandé pas mal de bois. Voilà, allez, je vais faire les courses et on se retrouve tout à l'heure. Oh, j'ai hâte, si vous saviez ce que j'ai hâte, oh là là, que ce soit fini. Ils arrivent dans un quart d'heure pour les panneaux, c'est trop cool. Donc voilà, j'en ai déjà mis un là-bas. J'ai déjà mis un panneau isolé, puis là, bah voilà, du coup, je m'occupe hein, parce que j'attends les panneaux. Je m'occupe, je commence à faire les trous un peu partout. Tac, 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 tac. J'ai tout découpé mes chevrons. Là, je suis en train de bien les aligner pour bien les percer et tout. Et voilà quoi. En attendant, la livraison et le gérant de contreplaquémarin.com que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu et là, il vient nous livrer en personne parce qu'il a quelque chose à nous annoncer. Eh, ça promet d'envoyer du lourd quand même. Hein. Ouais, ça c'est du castor. 2m50 de long. Ça, on aurait pu le mettre en plancher. Ouais. Nid d'abeille, isolant, super résistant et super léger. Mais ouais. 60 tonnes. Bah après, ça sera en boîte, tant pis. Ouais. Allez, hop. Ça y est, on a été livré en personne par le gérant de contreplaquémarin.com. Bonjour à tous. Voilà, nickel. Je pense que j'ai commandé un peu trop de panneaux. Ouais, je crois. Il y a juste un truc qui me choque. Vas-y. C'est que le Ranger, il est pas assez sale là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va falloir aller le mettre un peu dans la boue là. Ouais, il vient du garage. Hein. Pour tracter des grandes remorques. Quand on tourne avec un camion qui fait toute la France, un camion plateau 3 tonnes 5. On a le gros 4x4 maintenant pour. Quand c'est des livraisons express. Ouais, ou... les petits casse-couilles de vadrouilleur. Ouais, ouais, on est obligé de courir pour eux. Depuis 5h30 du matin, on est parti sur la route. C'est bien, mais je vais pouvoir avancer au moins, c'est ça qui est cool. Ouais, ouais. C'est ça qui est cool. Enfin, bon alors, t'avais un gros truc à nous annoncer. Ouais. Ben, c'est quoi? En fait, comme Jérémy, ben, lui ses défis, c'est... aménager des camions. Ouais, aménager des camions. Alors, là, le gros 4x4 qu'il a, là, super. Puis ben, moi, j'en ai un autre. J'ai construit une maison tout seul en 13 mois. En 13 mois. Ouais, 160 mètres carrés, tout avec mes panneaux recouverts d'un cédral. Et en ossature bois. Ouais, ouais, tout en ossature bois, super, au bord de la plage, un super rêve. Et extérieur, après, ça fait comme ça? Non, non, intérieur c'est comme ça, mais c'est des grands panneaux, ouais. 5-6 mètres de long, donc j'ai aucun raccord sur les murs, ouais. Pas besoin de peindre, rien du ah tout. Ah bah ouais, c'est nickel, ça, des panneaux et de 6 mètres. Et je peux peindre si je veux, ouais. Et non, non, on a mis des bandes en cédral de couleur gris dessus. Et c'est infini, on peut pas savoir que c'est une maison en ossature bois en fait. Ah ouais, on passe, oh oui, on pense que c'est une maison classique, mais non, en fait, elle est faite avec ces panneaux-là. Ou des plaques que je rends des stockages, et puis après, les gens font leur raccord. C'est super costaud ce bois-là, on me croit pas des fois quand on me dit ouais, ça pourrit tout ça. Avant de le faire pourrir, il faut y aller quand même. Le panneau 11 mm au fléchissement sur un mètre carré, on doit être à 800 ou 900 kilos. Ça paraît pas. Ouais, non, non, puis même, ça tient dans le temps. Voilà, ça donc, tient, là, un ça peu tient les... dans le temps. On a tous des folies, hein. Oublie, faire les bus, maintenant un gros 4x4. Puis ben moi là je suis sur un projet qui est un peu différent, qui est sportif. Je vais tenter un record du monde parce que j'adore nager. Ah ouais, record du monde, je pensais que c'était record de, non, de non, pas de Calais. Non, non, de Calais. Du monde, non, non. je suis parti pour 30 heures de nage et de course à pied. Donc j'ai 43 km à la nage et après je vais enchaîner sur 87 km en course à pied. T'as dit quoi? T'as dit 30 heures? Ouais, ça va durer. Ah, le but c'est le record, c'est les 30 heures, non, ou c'est le les kilomètres? C'est 100 km. 100 km ouais, et moi j'ai dit non, qui mélange nage et course à pied. Voilà, c'est ça, c'est un swim run. Ouais. Donc on court et on nage, on fait les deux. Donc en combinaison, donc la combinaison elle est sur nous pendant tout le temps.
Et après, bah, c'est ménager ses efforts. Je suis tout seul dans le camp. Et alors, attends, si je comprends bien, donc 47 km dans l'eau, tu commences par quoi? 43, par la course 43, 43 tu fais, je vais commencer, je vais faire 20 km à la nage. Ouais, et pourquoi pas les 43 d'un coup? Parce que swimrun, il faut deux coupures. Alors, ah, en fait, d'accord, on est obligé d'alterner deux fois, minimum. Donc moi, je vais faire 40. Donc c'est. Moi, j'habite Calais, donc c'est Calais-Guine, c'est une ville qui est à côté. Donc, dans la Dole, non? Non, il y a la Dole là-bas, non, non. Et en fait, je vais faire 20 km, donc 10 allées, 10 retours, non-stop. Ah ouais, d'accord. Des micro-coupures, hein, tous les demi-heures, j'ai 15-20 secondes pour me ralimenter, parce qu'autrement, on n'est pas bien. Ah oui, d'accord. Après, je repars en courant à peu près sur 30-40 km, et après, je refais 20 km. Je refais un grand périple en course à pied toute la nuit. Et ça, en et durée puis, 30 heures. 30 heures. Et 30 heures. Dans les 30 heures, tu te reposes combien de temps? Je pense que... T'as le droit à combien de temps? Ben en fait, on peut s'arrêter comme on veut, sauf qu'il ne faut pas quitter sa combinaison, pas le droit d'être dans une voiture, rien quoi. On est pas le droit seul. D'être dans une maison. Non, rien du tout. D'accord. Pas le droit de s'allonger, on peut s'asseoir s'il faut. T'as pas le droit de t'allonger. Non, rien du tout. Ah ouais, donc allonger, les gens ils vont dire ouais, ça ouais, va, non. C'est découpé, c'est facile. Non, mais en fait, non parce qu'il y a plein de trucs que t'as pas le droit de faire. L'année dernière, j'ai fait 110 km, j'ai fait deux fois le tour du bassin Arcachon à la nage en course à pied, 110 km, et j'ai mis 24 heures et pas une minute de plus. Et je l'ai fini en sprint. J'ai dû à un moment donné m'arrêter exactement 14 minutes où je me suis assoupi, je suis reparti. Oh putain, la vache. Et bon, après, c'est un entraînement quotidien. Par contre, c'est cool, tu cours pas comme un déjanté. Non, 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 mon rythme, c'est un petit rythme hein, de course à pied, c'est 8 km/h. 8 km/h. Je peux aller plus vite. C'est l'endurance qui compte en fait. 8 km/h et en nage, je suis à 3 km/h. Et là, le fait de rentrer, mettons, si tu arrives à battre ce record, c'est un record du monde. Ouais. C'est quoi ce qui va compter? C'est les kilomètres ou c'est non, le temps? Kilomètres, c'est le kilomètre. Ah, en nage? Non-stop. Non, non, total. Ah d'accord. Le record non officiel était à 100 km, que là on fait valider par le Guinness Book. Ouais. Donc ils viennent avec les costards avec. Ah ouais et tout. Et ils viennent te contrôler du début jusqu'à la fin ou alors il y a toujours quelqu'un côté de moi. Oh, mais ça aurait, franchement, j'aurais pu, je serais venu te filmer tout le temps. Ah bah il faut venir. Ah non, franchement, je pourrais pas, mais j'aurais pu, je l'aurais fait, ça m'aurait. Donc j'ai fait d'autres choses. Hein. J'ai fait un reportage là-dessus. J'ai fait la manche à la nage, j'ai nagé 11 heures, mais j'ai eu un gros coup de vent avec des crottes de mètre. Vous pouvez regarder sur Thalassa, c'est Olivier Folk. Ah ouais? Et donc 27 minutes. Où j'explique tout, mais en fait, c'est pas le défi sportif qui est le plus important. C'est le moment avec les gens, toute la partie humaine, avant, après, pendant. C'est comme avec Jérémy, c'est exactement ça. Il y a le projet, mais il y a le côté humain. Donc ce qui vous explique, ce qui vous montre. Ben, moi, c'est exactement la même chose en nage et en course à pied. Hein. Je suis pas jamais fait de marathon et tout, mais par contre, j'ai fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, mais c'est cool ça. Le moment, j'essaye. De faire au mieux, on va créer une chaîne YouTube. Ouais. Où je vais tout expliquer de maintenant jusqu'à ces 25-26 juillet à Calais, donc l'arrivée. Et je vais tout expliquer. Ma diète. Ah ouais, c'est à faire une diète, il faut que tu maigrisses. Ouais, ça y est, c'est parce que là, on a tous pris du gras avec l'hiver. Ouais. Bah là, en 4 comme les poulets, en fait, c'est vrai. Hein. En 4 semaines, je suis à, je crois, 4 700 kg perdu. Ouais. Et en mangeant 2200 calories par jour. Et là, tu fais combien là? Je faisais 97, donc je fais 92 quelque chose. Il faut que tu descendes à combien avant ton défi? Peu importe. Oh, en fait. Entre 85 et 86, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Hein, tu as un petit 10 kilos quand même, depuis que tu avais reperdu. J'ai encore 5 mois. Non, mais c'est du travail de tous les jours, je veux dire. Travaille beaucoup dans le contreplaqué. Ouais. Et puis surtout, si vous voulez du contreplaqué, n'hésitez pas à demander à Jérémy des petits conseils pour les découper. Ouais. Ou après, même vous m'envoyez un petit mail, ou même vous m'appelez sur mon portable. Il est sur mon site qui est contreplaquémarin.com. Ben, si je peux vous aider, je vais vous aider. Donnez ça fait 3 fois astuces. Qu'on travaille avec. Après, c'est vrai qu'on a fait ça avec Flash, Captain, et puis ben là, voilà, on donne j'ai des noms. J'ai toutes des petites astuces, Martin. Parce que nous, on fabrique des chalets de plage, on fait de la réparation de vent pour chevaux. Et puis, moi, je suis ouvert aux gens, j'essaie de comprendre. Bah, normalement, il y a pas mal de bandits qui doivent venir, maintenant. Ouais, t'en as eu un cette semaine, j'ai une petite très, photo. Très il y a un bandit qui était dans les bureaux, avec le suite, là. Ouais, et on est grillé. Sans le savoir, c'était un de mes clients. Il est avec le suite et on savait pas qu'on connaissait tous les deux Jérémy. Ah ouais, carrément. Ouais, pourtant, on en a parlé de contreplaqué marin, quoi. Ah ouais, c'est dingue, c'est marrant ça. Camping-car et puis qui t'a acheté plusieurs, apparemment. Ouais, plusieurs suites. Et super content et magnifique. Et je pense que je vais pouvoir t'en acheter un. Bah ouais, pas de problème. Il est bien. Faut aller donc sur la boutique. Continuer à le suivre parce que c'est vraiment chouette. Moi, j'arrive pas trop à le suivre parce que j'ai pas trop le temps. Bah, puis il y a 3 vidéos par semaine en ce moment, donc c'est vrai qu'il faut suivre. Hein. Mais surtout, n'hésitez pas, posez-moi des questions ou même en dehors des bus, des 4x4, ce que vous voulez, un bateau, ce que vous voulez, parce que je touche un peu à tout, j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine. Et si je peux apporter une petite pierre à votre édifice, c'est avec plaisir. Bah c'est cool, c'est ça, fait plaisir de travailler des entreprises comme ça, c'est ça qui est bien. Et on n'est que 4 en entreprise, on n'est pas une grosse entreprise, mais
on essaye de se battre. Et, donc n'hésitez pas à me contacter. Oh bah c'est nickel, j'aurais dû en plus me renseigner parce que ouais. Là, il m'a fait voir un panneau qui m'a ramené comme ça, les panneaux alvéolés du nid d'abeille. C'est vachement plus léger et beaucoup plus j'aurais résistant. Pu mettre ça en plancher. Ouais, mais bon. Bah voilà. Tu m'as pas ramené assez de chutes. Ouais, ouais. Voilà, ouais, bah, c'est des ta chutes faute. Pour qu'il fasse un essai, mais n'hésitez pas, voilà. Même si vous voulez un petit échantillon pour faire un essai, m'envoyez un petit mail avec votre adresse, je vous envoie un petit échantillon. Et il répond assez vite et tout, ouais, franchement, ouais, ça va. Avec le taf qu'ils ont, ils arrivent à se débrouiller. Ce avec tout ce qui se passe, mais là, je suis venu moi-même directement te livrer. J'ai fait un autre client juste avant pour un autre projet. Et puis bah ça me fait plaisir, je suis là. Et puis, bah ça fait plaisir de se rencontrer. Et depuis le temps, ça fait déjà pas loin de 3 ans quoi qu'on parle au téléphone, on sait jamais. Donc c'est bien, c'est bien. Donc c'est cool, voilà. Bon bah merci beaucoup. Bon. Et puis bah bon, on n'hésitera pas à partager en tout cas la chaîne et tout pour le défi. Hein. Ça va être à suivre, le petit record du monde. 25-26 juillet, deux jours du coup. Bah, voilà. Et allez sur olivierfolk.com et vous verrez, il y a tout. Et la chaîne YouTube, elle sera créée quand? Là, dans les prochaines semaines. Là, dans les prochaines semaines. Donc, bon, bah, de toute façon, on va faire tourner un petit peu l'info et puis vous allez voir ça. On essaye de faire au mieux. C'est chouette, c'est chouette. Je suis pas Superman, mais on essaie de faire tous à notre petit niveau quelque chose. Ouais, non, mais c'est cool, c'est ça qui est bien. Faire avancer les choses. Bon, bah, je te remercie bien. Eh ben, moi, je vais me remettre au boulot et puis bonne route, à bientôt. Allez, bye bye. On lui fait voir le camion, on leur fait voir le camion, du coup, bah ouais, ils sont pas venus ici sans voir Martin, c'est normal. Hein. Chouette. Voilà ce que ça donne. Ah. Bah ça fait une plus petite caisse que le bus d'avant, hein, ouais, ça c'est ouais, sûr. C'est hein. Ouais, mais c'est un autre projet. Ah bah c'est un autre délire. Hein. Ouais. Même temps, voilà, aller faire du 4x4 et tout avec un truc de 12 mètres. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, magnifique, quoi. Hein, franchement. Ouais. Bon donc, boulot. Puis tu vois la grosse plaque que j'attendais, elle va arriver là. Ouais, clac. Ouais. Bon, j'ai tout soudé, tout jointé, tout peint. Normalement, il n'y aura pas de fuite. Ouais. Et le châssis là qu'on a refait intégralement, entièrement. T'as vu le faux châssis avec la bascule et tout ça, ça a été fait entièrement. Quand on voit les lames de ressort, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, bah. Et encore, c'est un petit poids lourd celui-là. C'est un 13 tonnes. Hein. C'est un 13 tonnes, c'est un petit. Hein. On a l'impression que c'est un truc. Ah non, 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 c'est pas un gros poids lourd. Hein. Voilà, ça y est, ils sont partis. Je vais pouvoir commencer à installer ma première plaque. Et avec Jean-Philippe, on essaiera de mettre la plaque ici pour fermer le camion avant ce soir. Ça m'a fait plaisir de discuter avec eux. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on n'avait jamais eu l'occasion de se parler, enfin de se voir en vrai. Et franchement, des gens très sympathiques. Donc voilà, et on relaiera leur défi, enfin leur record du monde sur la chaîne. On leur fera un petit peu de pub justement, parce que bah, ça va être un truc à suivre, c'est chouette. Pour le motiver, pour l'encourager, tout ça quoi. Allez hop, bon boulot! Hein? T'aimes bien? Avec va glisser. Tu l'aimes bien? Il y a une bonne maison? Attention, la vas-y, monte. Allez, grimpe. Vite, saute. Un grand pas. Regardez, allez, saute. Je sais pas. Ouais. J'ai fini. Bah après, il y aura un balatome. Hein. Oh. Ah bah oui, on va pas. Oh. Ouais, c'est là. Mais t'as fini. Pourquoi tu chiffres ma main? Non, ma main est cachée. Elle est cachée, maman. Elle est cachée, maman. Elle va tout casser. Elle est cachée, maman. Elle cherche ta main pour te la chiquer. Non, elle cherche ma main, regarde. Allez, mette. Regarde pourquoi elle cherche ma main. Allez, mette. Tu la caresses. Hop, voilà, pour mettre ta main pour que tu la caresses. Ouais. Et après, elle bouge plus. Vous poussez des fois déposer comme ça. Après, elle bouge plus. Et là, elle vient, elle est en fusion. Bagarre générale. Bon, et eh bien la vidéo se termine, regardez, il fait noir, faut qu'on range encore toutes les plaques. Et puis là, Jean-Philippe, il est arrivé tout à l'heure, et là, dégoûté, il s'est acheté une super scie, il a mis 10 jours à la recevoir, on l'a reçu tout à l'heure. Il voulait se faire plaisir, il s'est acheté une grosse scie comme ça pour faire les coupes en angle et tout. Et elle est arrivée, elle en 380. Donc, bah, dégoûté. Donc, il va sûrement devoir la renvoyer, hein. Ça va faire à suivre, quoi, on verra. Et je sais pas s'il y a moyen de la remettre en 220, je pense pas, on va regarder, mais il n'y a pas trop d'options là pour la remettre en 220. Le moteur, je pense qu'il n'est pas étudié pour tourner en 380 et en 220. Enfin bref, bah, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Allez, on va finir la vidéo dans le camion, à tout de suite. Ouais, c'est bon, ça filme, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini, voilà. Le sol est fini, les murs sont finis. Prochaine étape, peinture d'accroche pour que la fibre, elle accroche. Et ensuite, on colle la fibre et on peint jusqu'ici. Voilà, comme ça, toute cette partie-là sera finie. Je mets un grand drap et tout ce qu'il y a à faire ici dégueulasse, eh ben, ça viendra passer à l'intérieur. Et je peux commencer à fabriquer mon meuble qui va venir où vont venir les cuves d'eau.
Ici, je peux fabriquer ma petite partie technique avec le coffret gaz et le coffret où il y aura la pompe à eau et divers accessoires. Et je peux commencer même à fabriquer mes banquettes si je veux. Ouais. Mon petit Jean-Phi, voilà, t'es déçu ? Ouais, je suis déçu parce que je viens d'arriver. Bonjour. J'ai expliqué, c'est tout expliqué. Et en fait ? J'ai tout balance. Ah d'accord, t'as tout balance ? J'ai tout balance. Alors donc, je fais l'inspecteur des travaux finis. Ouais, j'ai tout balance. C'est non, mais ben, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Ouais. Il y avait la case 240 et 400, il a fallu qu'il coche la case 400. Ah, c'est pas évident à dire. Il y avait la cause. Il y avait la case 240 et la case 400, il a fallu qu'il coche la case 400. Vas-y, dis-le. Il y avait la case 240 et 250 d'ailleurs même, et la case 400. Et j'ai coché la... peut-être pas la 400. Ah. Eh, c'est pas mal, hein, t'as vu, on pourrait presque laisser comme ça faire du breakdance. Là, franchement, regarde. Aïe. Ça y est. Une douleur qui se réveille. Mais tu sais, comme ils font là, ils font ça. Moi, je suis pas souple du tout pour un sou, hein. Regarde. Et sur la tête. Non, j'arrive pas. Attends, je vais réussir à tourner. Regarde. Allez, attention. Putain, c'est chaud, la vache. Eh, c'est chaud. Comment ils font pour tourner sur eux-mêmes? Sur la tête. Dans la caboche dure, à mon avis. Non, mais ils font comme ça avec les bras. Ouais, mais... Oh, la vache la tête, hein. Il y a des gens, ils font des trucs, on se rend pas compte comme c'est dur, en fait. Ouais, tu les vois faire, t'as l'impression que c'est tout seul et tout ça. Hey, j'ai fait de la pole dance aussi cette semaine. Ah ouais? Ouais, tu veux essayer? Non, tu verras la vidéo. Ici, là? Ouais, sur ça. Ah, excellent. Ouais, c'est des barres de pole dance. Je vais les laisser comme ça, en fait, et on va rouler sur la route. Ouais, en fait, il faut faire un panneau couvert, comme ça. Et l'enceinte, la musique, le pole dance. On met pas de panneau du tout. Oui. D'accord. Je roule. Ouais. Et là, on fait des vidéos avec quelqu'un qui nous suit en voiture. Et puis Charlotte, elle fait de la pole dance comme ça derrière. Ah ouais. À longueur qu'on c'est roule. Quoi. Ah ouais, à longueur qu'on roule. On va faire des vues. Truc de dingue. Elle descendra comme ça, avec la barre entre les fesses. En même temps, il y a deux barres. Hein. Il y a deux barres. On peut en mettre deux femmes. Ouais, double. Non. Double. Ouais, double vue. On va demander à Charlotte si elle est OK ou si elle préfère fermer et mettre un porte-moto. Bip. À mon avis, ouais. Je pense que si tu demandes à Charlotte, ça va être un porte-moto. Ouais. Voilà. Non, formidable. Eh ben nous, on a un gros week-end qui nous attend, plein de bricolage et on se donne rendez-vous mardi. Il y en aura encore gros de fait. Hein. Bah, je pense que là, ça va avancer. Là. J'attends avec impatience tous mes produits. Pour l'instant, avec tout ce qui se passe, nous, ça se passe bien. On reçoit nos livraisons en temps et en heure. Voilà, donc on verra hein, si ça va pas, ça prendra plus de temps, c'est pas bien grave. Hein, on va pas dramatiser non plus, hein. On dramatise déjà assez comme ça. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, de mettre des petits pouces bleus ou des pouces en bas, ça dépend si vous voulez en mettre aussi, quoi. C'est vous qui voyez, hein. Ouais. Nous on veut tout bien. On veut tout bien. On veut froisser personne, on veut faire de mal à personne, on veut faire que du bien. Donc si ça fait du bien à certains. Ouais, et ben faites-vous plaisir, c'est pas grave. Hein, de toute façon, ça fait remonter les vidéos quand il y a des pouces en bas. Pouces en bas, pouces en haut. Ça fait des interactions et ça fait remonter les vidéos au final. Ouais, chatouiller les algorithmes, comme dirait Philippe de la chaîne Voyage. Voyage. C'est ça, Philippe de la chaîne Voyage. Ouais, non, Voyage de la chaîne Philippe. Non, ça. Oh, je sais, c'est trop compliqué à retenir en plus. Allez, bisous, bye bye, à bientôt. Ciao. C'était bien, non? Ouais. C'était bien? Le pire, c'est que... Philippe? Quoi? Je suis tombé? Non, ça avait la classe, quand même. Ah, franchement, t'avais la classe? Ah oui, non, j'avais la classe. À part sur... Non, j'avais la classe, quand même. J'avais la classe. Bon, non, allez, j'avais la classe. Petit bonus, on va aller vous faire voir un... Je te tiens. Ah merde, tu fais comment pour monter là-dessus? Sportif. Alors, attention, je vous filme le sportif de haut niveau. Attention, Jérémy, il y a la tête. Ouais! Formidable! Tu livres pas tes clients comme ça, j'espère! Merci à Jean qui m'a récupéré un siège conducteur monté sur coussin d'air. Donc je découvre avec vous. Ah, ça va top le flash! Oh la vache! Oh, mais il est très grand! Oh là là, il est magnifique, c'est un vrai carreau, regardez! Et nous, on a des bandits, ils sont exceptionnels. Hein ? On est entouré de gens exceptionnels sur la chaîne. Ouais. C'est un truc de malade.
Et tout ça de bon cœur, vous imaginez, c'est un siège Recaro, c'est une blague ça. Regardez ça, il y a juste à le brancher et tout. Oh, magnifique, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est magnifique, regardez. Un peu comme l'Iveco, mais en mieux, j'ai l'impression. Eh ben, tu sais quoi, Jean-Philippe? Il va falloir qu'on trouve le même pour mettre à côté, parce que ça, il va faire tâche maintenant. On trouve le même maintenant. Avec la cousine de l'autre côté. Merci bien à toi, Jean. Allez, bye bye.